Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pudding and Camembert. On se retrouve avec Damned. Salut Damned. Salut les gens. Et on était du coup en train de commencer une petite refonte des stocks de chorizo. Et c'est de ça. Bretzel aussi. Parce que. Oui, au passage. C'est pas qu'on a des goinfres dans l'équipe, mais quand même, hein. Ouais. Bah faut bien que ça mange, hein. J'avais 40 000 hommes, je les ai perdus, ils sont là, ok. Ils vont vers un fort en Autriche. Et ben, faites donc ça. Alors, ici, là, le Portugal a filé l'accès militaire à quelqu'un, on sait pas qui, mais c'est parfait. On peut donc maintenant marcher chez lui pour aller piétiner des colonies, et ça me va parfaitement. Normalement, on a deux fois 40 000 hommes d'ailleurs, ils sont où les autres? Ah oui, c'est vrai, ils s'occupaient de la rébellion là. Bon, on va s'occuper très vite fait de la rébellion caribéenne. Et après, on les récupère. Grande-Bretagne occupe Lanao. Ah oui, c'est vrai qu'on était en train de prendre des trucs là aussi. Une bataille. Il se passe trop de trucs. Ici, on avait des rebelles. Ouais, non, putain, je suis désolé, je m'épose assez souvent, mais c'est compliqué là. Pas grave, je vais retourner dire bonsoir sur le Discord du coup. Chaque fois qu'il y a une pause, bonsoir, bonsoir. Non, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu dis 12 fois de bonsoir en 20 minutes? Ah bah parce que le signe noir a fait 12 fois pause en 20 minutes. Eh, j'essaie de monter ton score de guerre, hein, ça va bien. Hein. Ouais. C'est pas. Je m'en fous. Hein. Tu sais, il y a longtemps que j'aurais arrêté de tourner si ça me saoulait. Hein. C'est clair. Allez, on va devoir se taper un malus parce que là on va avoir la traversée alors que si on avait pu débarquer dessus on l'aurait pas eu, mais c'est pas grave. Les séparatistes caribéens, on les défonce. Ici ça se passe comment? Notre flotte peut-être pas une valeur ajoutée de fou ici. Hein. On va aller par là. On va plutôt essayer de chasser les flottes de l'ami espagnol si on peut. Plein de trucs. Lui s'est occupé de nos rebelles, donc c'est gentil de sa part. Alors ici. Ah putain, ils occupent ça, on dirait. C'est occupé ça. Ouais, c'est occupé ça, bordel. C'est où que ça gueule? Les Peuls. Cantor, Galam. Ouais, c'est dans le coin ça. C'est le Brandebourg qui a été élu empereur, parfait. Alors, où est-ce que ça gueule? Vaisseau amiral de l'Espagne coulé. Bon pas. Voilà. Bisous l'Espagne. Ça m'a fait plaisir. C'est devenu un running gag, hein. Ah ouais, coup. J'avoue. Est-ce que t'as besoin que j'aille m'occuper de la flotte toscane ou... Oh bah moi, ça je ne gêne pas plus que ça. Après... Je me disais qu'est-ce que la Sardaigne fout dans la guerre, mais oui, tu l'avais vassalisé. C'est un petit vassal, ouais. Écoute, je vais aller la chercher, puisque de toute façon, on ne sait pas demain qu'on va sortir les vaisseaux espagnols. Alors, il y a beaucoup de rouge ici. Là, il y a une petite flotte qui va, à mon avis, pas durer longtemps. Voilà, là, on les a écrasés cette fois-ci. Là, on va là. Là il est déjà en train de faire le siège, est-ce qu'on peut passer? Non on peut pas passer, faut assiéger cette merde, donc on va faire le blocus. En attendant on va attendre là. Nos 40 000 hommes qui sont ici, ils font le siège tranquille, aidés par beaucoup trop d'hommes de la Normandie. Ça nous fait un peu crever. Alors pardon, ouais, peut-être qu'il y a des trucs que je fais pas bien gaffe, hein, mais... Ouais non mais c'est moi là, j'ai 40 000 hommes sur le continent, je les ai envoyés sur un fort random. Histoire de... Ah non, ça passe pas ça. Je vois. Mais ça va tomber de toute façon, donc pas de soucis. Ici, on fait le blocus. Alors, là on a... Si, on a quand même 17 galères. C'est déjà plus que ce qu'ils ont de toute façon. Voilà, parfait. La Sardaigne va faire sortir la flotte de la Toscane et on va la sniper à la sortie du port. Pas de stress. Là je vois du rouge ici, qu'est-ce qui est rouge? Une petite bateau de la Plata espagnole, ok, pas de problème.
ici, on va aller assiéger, finir d'assiéger tout ce qui traîne. Hop, 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 et ça, si je ne gourre pas. Là, il y a du rouge là. Qu'est-ce qui est rouge? Ah, c'est sa flotte. Bon, par contre, mec, ça serait bien que tu sois capable de le faire tomber ce fort. Hein. Bon, bah, ok, je viens. Ah, bon, attends, je vais mettre pause. Il faut faire une loi au Parlement. Ah, oui, c'est important. Alors, plus un marchand, bof, coût de conversion culturelle, on s'en fout, plus un missionnaire, ça pourrait être pas mal pour aller filer un petit coup de main. Ouh, ils veulent pas, 21% seulement. On claque des points, on perd des points cléricaux, c'est pas un problème. Prendre parti, 5 de prestige. Ignorer la corruption, on peut. Acheter un parlementaire, non. Ça, non. Ça, non. Promouvoir la méritocratie en mercantilisme, non. Soutien admin, on prend. Accorder des titres, on prend. Prendre parti, allez, on va cramer un peu de prestige. Acheter un parlementaire, non. Putain, ils sont chiants. Allez, voilà. Un missionnaire supplémentaire, on va pouvoir aller aider les colonies. Ah, on a un truc à convertir à nous. Ah bah oui, c'est les îles, là, les nouveaux trucs. Voyons voir. Convertissons des Mayas. C'est parti. On en a un autre qui glande d'ailleurs. Convertissons des Mayas en avant. Et ça se passe comment d'ailleurs ici là ? Il va falloir que j'aille filer quelques coups de main là-bas aussi. Allez, là on va se poser, faire tomber ce truc là très rapidement. On a remporté le siège de Quar. Hein. Parfait. On va pouvoir avancer un peu. Se scinder peut-être, avancer là et là. J'avais pas fait gaffe, j'ai 5600 en dessous quoi. Bon bah ça va, moi tout à l'heure j'étais à 18000, mais là j'ai claqué, maintenant je suis à 8000. Mais pff, ça remonte vite. Ouais ouais, ça, on est d'accord. Isaac Newton. Oh, on a Isaac Newton qui apparaît. De puissance admin, 10 de prestige et 4-5 d'innovation. C'est cadeau. Je l'ai fait aller où mes bateaux là? J'ai pas fait gaffe ici. Ah oui, j'avais pas fait gaffe que la Bohème était en train de se faire écraser par l'Autriche pour le coup. Ouais, l'Autriche a tout envoyé là-bas. La Pologne aussi. Après, ça me permet de. Quelques troupes, hein. Ah ouais, ouais, c'est pas grave. Je voyais Pologne par-dessus un stack de 41 000, mais en fait non, il y a juste 1000 hommes de la Pologne et 40 000 de l'Autriche. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça fait tampon. Voilà, et après, on ira. De toute façon, quand on aura pris tout ça, on n'aura plus qu'à remonter sur l'Autriche et puis à tout nettoyer, quoi. Il va se faire assez facilement. Ça dit, s'ils arrivent à la sortir. La Bohème ? Ouais. Et bah, la Pologne, bien moyen de reprendre un peu de poil de la bête, hein, parce qu'il a quand même filé pas mal de sièges à la Pologne. Hein. C'est vrai. Ici, c'est repris. Parfait. Allez hop. On va redébarquer sur le continent parce qu'on a besoin de nous. J'enlève la pause. Oui, 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 vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi t'améliores les relations avec ça? Reviens là. On va lancer un petit. Ah oui, c'est parce que j'ai perdu un diplomate vu que ma loi c'est terminé. Je me disais merde, qu'est-ce qui se passe? J'en ai plus. Réseau d'espionnage sur l'Autriche, s'il vous plaît. Plus que ça. J'ai demandé de revenir. Bordel. Pourquoi je ne peux pas faire de réseau d'espionnage? J'ai un diplomate là. Rombé. J'ai l'impression que ça a bugué en fait. Attends. Ah bon?
En fait, j'avais envoyé un diplomate faire un réseau sur l'Autriche. Sauf qu'entre temps, ma loi s'est terminée. Du coup, ce diplomate qui faisait le réseau a été assauté, quoi. J'avais une loi qui me donnait un diplomate en plus. Et maintenant, j'ai un diplomate de libre, et quand je clique sur l'Autriche, ça me dit que j'ai aucun diplomate à envoyer. Ah, alors il y a 60... est-ce que tu vas pouvoir envoyer tes 40 000 Anglais sur mes 36 000 hommes qui sont en train de faire le siège à côté de toi? Il y a 70 000... il a verrouillé en plus. Parfait. 70 000 Autrichiens qui sont là. J'arrive. Parce que tu vois... j'arrive aussi, hein. En marche forcée avec mes troupes qui sont plus loin. Non, mais en fait, ce diplomate est perdu. Il est disponible, mais il est pas libre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et même si je veux... ouais, on va attendre la fin du mois, ça va sûrement se recalculer. En attendant, on va terminer notre doctrine, parce que pourquoi pas. Corruption annuelle, moins 0,10. Et on a des nouvelles politiques. Ah, ça faisait longtemps. Et on va la prendre, celle-là, puisqu'elle est gratuite. La loi sur la loyauté. Les habitants loyaux qui dénoncent des éléments dangereux dans nos possessions doivent être richement récompensés. Ah, putain. Ah, putain, la vieille dénonciation, quoi. Super ambiance. C'est ça. On est bien. Allez, on enlève la pause, on va voir si ça se débloque. Et on va voir une magnifique bataille. Ah, putain, en plus, c'est nous qui avons le malus de terrain. Ah, oh, mais non, mais sérieux, le colloque de Cambridge, maintenant. Agitation sur le pays, moins 1. Une autre réunion dans 10 ans. Parfait. T'as même pas besoin, à 40 000 tu les défonces, quoi. Alors, la Toscane arrive en renfort. Parfait, elle... tant mieux. C'est clair, elle est lock. Ça devrait... ça devrait le faire quand même. Si, c'est tendu, mais ça passe. Bon, c'est bien, il y a les 8 000 Picards qui arrivent. C'est ça, il y a la Picardie qui arrive, ça va tout faire. Là. Ça va tout changer. Bon, parfait. On va pouvoir reculer pour pas prendre trop d'attrition. C'est ça, c'est chiant cet endroit, hein. C'est vraiment un coupe-gorge. Par contre, on peut pas se déployer plus. Ouais, on est d'accord. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Le port de Jamaïque se développe. Ah, dis donc, mais il y a des gens ici. Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Oh putain, il y a des gens qui se soulèvent de partout. Il y a beaucoup, beaucoup de monde là. On va se les faire en speed. Oh, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Après, on a toujours une tech d'avance. C'est pas dit qu'on gagne là. Oh, quoique, vu comment on les dépiote. Ok, Adi, j'ai tombé, on peut avancer un petit peu. Autriche est devenu le défenseur de la foi catholique. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la Bohème est sortie. Ouais, je viens de voir ça, ouais. Et il a dû céder pas mal de territoire, hein. C'est con pour lui. Waouh, je me fais défoncer par contre là. 30 000 avec un malus de terrain de moins 2 contre 70 000 hommes, ça fait un peu mal. Dans les colonies? Dans les colonies, ouais. Du côté du Pérou. Il a décidé de passer par là, visiblement. Et puis comme mes mecs sont moitié coincés là, à cause de ces foutus... Alors, du coup, tant qu'à faire, avec eux, ça m'a enlevé un malus de relation, du coup, je suppose. Sur le mariage royal. Ah ouais, il a libéré des trucs. Je pensais qu'il allait enfiler à la Pologne, mais il a donné un territoire à la Pologne. Du coup, la Pologne qui était avant en 2 et maintenant en 3. Le salaud. C'est ça. Putain, gros fumier. C'est vrai. Bon, tant pis. Mais bon, ça va pas me changer grand chose. Mais vu qu'il avait déjà visiblement envoyé les 70 000 hommes qui lui restaient sur la tronche. Ah, le fort est tombé, j'avais pas vu là. Bon go alors. Je vais me poser à Vienne directement ou t'y vas? Tu vas où avec tes 60 000 hommes? Vas-y. J'allais en haut de Carinthie moi. Et puis je vais faire le. Vas-y, va à Vienne. Ok, je vais prendre les deux premiers territoires. On va surveiller cette bataille, mais ça me paraît tendu quand même. Bon la Bohème aura juste servi à faire tampon. Ah, le petit 1. Ah, le 0. Oh la vache, ça fait mal. Le 9. Le 9 qui fait du bien, le 4. On dirait le loto, quoi. Ah, on a perdu. On dirait que tu me fais les chiffres du loto. Ah, c'est un peu ça, ouais. Tu t'étais cassé, toi, avec tes 15 000 hommes, là. Tu reviens, mais c'est un peu tard. Je te félicite pas. C'est dingue, ça.
Allez, ici on retourne chercher cela. Espagne occupe des trucs ou ça? Ah, il est là l'espagnol, le petit salaud. En avant. Il va nous falloir un général. Hein. Allez hop, on recrute. Charles Saunders. Viens à moi, Charles Saunders. Offre de paix de la part de la Toscane. Pas tout de suite. Ici, on embarque. Quoique. Quoique. Alors, c'est chaud de gérer les troupes qui sont dans les petites îles des Caraïbes. Là, c'est tellement petit, faut zoomer comme un porc. Bon, ah bah l'Espagne, ça c'est clair. Va se prendre des rébellions sur les fesses, il fera les pieds. Mon autre folle sert pas à grand chose dans le coin, à part faire un peu de blocus. Des séparatistes australo-portugais, non mais vous êtes sérieux? Des séparatistes australo-portugais en Australie quoi. Sans déconner. Il reste un truc pas occupé là, qu'est-ce que vous foutez là? Hop, en avant. Bon, les colonies, qu'est-ce qu'elles foutent? Ça c'est occupé, ok. Bon, attends, je vais quand même regarder pour dégager la Toscane, hein, parce que effectivement. Je pense pas que je puisse lui prendre quelque chose, mais. J'ai pas de revendication, mais. Quoique. Alors, la Toscane, elle est où? Elle est là. Même pas filer quelques trucs à tes. Ah, si, déjà je veux qu'elle file la Corse à la Sardaigne. Je peux lui prendre sa capitale. On va pas se priver. Et je peux lui prendre. Si, je peux lui prendre deux territoires en fait. Oh, il bah écoute, allez. Transport. Parfait, ça me suffit largement. Elle est libre. De faire ce qu'elle veut. On allez, prend on ça. A 12 bateaux de transport ici. On est quasiment mis. Hop, on va pouvoir. Allez, là, on va prendre un petit siège. Peu ces cons ici. Est-ce qu'on peut revenir ou pas? On est bientôt replié. C'est pas mal. Là, on a 40 000 hommes, mais on n'a pas de bateaux de transport. On va prendre cette flotte qui, du coup, ne sert plus à rien et on va l'envoyer là. Ok, tu me dis quand c'est bon. Ah, ah, j'avais pas bon, vu qu'il y avait 100 000 Autrichiens qui étaient en train de dessiéger à gauche. La vache, 100 000 Autrichiens qui sont passés, ouais. T'as ce qu'il faut ou on fait demi-tour? Je pense qu'on va déjà lui prendre son territoire un petit peu et puis. Ouais, bah Vienne va bientôt tomber, ça devrait un peu lui faire mal aux fesses, je pense. Il y, y a aussi quelques troupes à l'arrière là sur la frise. La Toscane qui est montée. Bah elle est pas censée être sortie la Toscane? Ah non, c'est la Valachie. Si, ça y est. La Valachie, ouais. Il reste la Valachie et un petit peu d'Autriche. Bah du coup on va faire demi-tour et on va s'occuper de ça. Alors ici il y a des Espagnols. C'est bon, je peux enlever? Vas-y. Ok. Pas de problème. Je fasse pas de bêtises parce que comme tu micro-gères aussi les colonies. Ouais bah là j'avais pas vu, il y a 40 000 Espagnols qui ont débarqué en Afrique là, donc faut que je les gère. Osbourg s'est retiré de la coalition et Ferrari s'est retiré de la coalition et Suisse s'est retiré de la coalition et Pologne s'est retiré de la coalition, mais c'est parfait. Salzbourg également, que demande le peuple. Alors lui il laisse sa flotte là, donc on va se faire bien plaise et on va le défoncer. Ah non, il se replie. Ou notre flotte, elle est rendue que là. Bah, du coup moi j'en ai plein qui rejoignent une coalition contre moi. Marrant. Ah ouais. Ouais. Ah, ils peuvent décider de déclencher la guerre là maintenant du coup. Allez, on va leur tomber dessus cette fois. Ils vont moins faire les malins. Oula, qu'est-ce qui se passe? On a légitimé plein de trucs. Normalement, on devrait avoir une création de colonie. On va attendre 2 secondes. Ici. Attends, j'ai des gens qui prennent de l'attrition, j'ai pas de quoi faire le con avec mes réserves. On va donc tracer pour même déjà sorti. Je pourrais déjà sortir l'Espagne si je voulais. Sans problème. Mais bon, bah écoute, après, c'est comme tu veux, j'ai pas de. Non, bah après, tu te fais plaisir là-bas. Pour l'instant, c'est plutôt lui qui m'a marché dessus qu'autre chose, mais. C'est comme tu veux, après, ça te permet de démicro-gérer le truc ou pas, ou je m'en fous. Bah, si t'as besoin de renfort dans le continent, sinon je continue. Hein. Est-ce qu'il s'est débloqué mon diplomate là? J'ai pas regardé. Ah, ça. Non, il s'est pas débloqué, hein, putain.
Bon, peut-être au rechargement de la partie. J'en ai débloqué un autre et du coup, il s'est débloqué tout seul. Non, il est toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Je ne sais pas. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Bon, revenez tous. Voilà. Mettre fin. Voilà. Et on a notre nouvelle colonie. Alors, comment on l'appelle? Cuba. Comment est-ce qu'on appellerait Cuba? Cuba. On va l'appeler Cuba Libre. Voilà, faisons original. Oh, c'est beau. Ouais, super. Je te sens pas convaincu. Si, non, mais c'est marrant. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Moi, est-ce que t'es non, quelqu'un mais à... Voilà, si un viewer, un viewer souhaite donner un nom, il me dira dans les commentaires et. Et je m'exécuterai. C'est Nicolas, non? De quoi? Qui nous suit pas mal. C'est un viewer qui nous suit pas mal, c'est Nicolas, non? Ouais, mais il y en a plusieurs, hein. Nicolas, Jilid, qui est aussi très. Non, mais qui ont pas de nom. Qui ont pas de nom. Bah attends, je vais aller jeter un œil. Je vais aller voir. T'as raison, c'est vrai que ça coûte pas cher de vérifier. Non! Alors, dernièrement, on a Akat qui nous a. Il n'y a pas déjà un territoire, lui? Non, mais effectivement, c'est Nicolas qui apprécie tes outros. Ouais! Ouais, ouais, magnifique outro, bah voilà, merci! Dès que j'aurai retrouvé la fenêtre qui est là, alors on va personnaliser la colonie, personnaliser cette dépendance. Ça sera donc Nicuba, voilà. Ouais, Nicuba, ouais, voilà. Pourquoi pas? Et en dessous, je crois que c'est le nom. Nicuba. Je sais pas trop ce que c'est les deux noms, donc on va dire. Probablement le nom et comment on les appelle, mais on n'a plus rien du coup à Cuba. On peut faire un état ici. Ouh, c'est rentable. Boum, on prend. Bon, je crois que en fait non parce que c'est censé appartenir à. Ah mais il y a des particularistes ici, mais ils sont partout. Voilà, ça c'est censé appartenir à la charte commerciale en fait. J'avais oublié de leur donner. Donc l'état sert pas à grand chose. C'est pas grave. Autriche occupe Bois-le-Duc. Ouais, ouais, bah va falloir remonter, lui apprendre les bonnes manières. Non, putain. J'étais en train de remonter mon armée, elle est tombée sur la noblesse bohémienne, quoi. Oh. Sérieux. Il faut que je donne un siège au Parlement. Bah écoute, ce sera la haie. Voilà. Hop. Boum. La haie a désormais un siège au Parlement. Bon, allez, ce sera notre petite tribu pour la remercier d'avoir servi de tampon. Voilà, c'est cadeau. En plus, il y a des infidèles catholiques qui se soulèvent en Frise. Ça part totalement en couille, la Frise, là, dis donc. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On convertit plein de choses, trop de notifs partout. Ici, on est en train de descendre, s'occuper d'eux. Ah, attends, parce que j'ai l'Autriche qui veut me tomber dessus. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je parais, je suis un peu sous l'eau là. Ici, 4-5, c'est bon. Ici, c'est à nous ça. Catholique, on convertit. 2-3-2, c'est parfait. Alors, nos diplomates. Un sur les alliés, un sur les dépendances, deux sur les dépendances, un sur les plus outragés. On laisse tomber le. On laisse tomber le l'Autriche. C'est bon quoi. On casse les couilles. Ah oui, 70 000 hommes. Donc nous, on s'occupe de la Valachie. Ensuite, on s'occupe des fanatiques. Après, on s'occupera de l'Autriche. Pris une petite gifle quand même. Mais ça devrait aller. Ouais, il fuit. Allez, clairement, merde, il a fui. Il va y avoir des renforts là. Allez, on le défonce avant qu'il arrive si possible. Ah putain, ça avance plus. Non, sérieusement. Heureusement, la Frise et ses 8000 hommes arrivent. Après la Picardie. Ouais, mais on prend cher quand même. Ça va piquer. Ah ouais, non, même la Frise ne nous aidera pas.
dommage. La trêve avec France a expiré. Ah, on était en trêve contre la France, on s'en est plus. Allez, si on fait quelques bons jeux, ça peut passer. Genre pas des 5 contre des 9, par exemple. Pas des 0. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Si on fait des jeux de merde, ça peut passer? Non, dommage. Bien tenté. C'est ça. Non, en plus, on se replie pas hyper loin, faut faire gaffe. Hein. On n'a plus aucune réserve de nouveau. Et nos ports sont sous blocus. Tu te fous de moi? C'est ici. Attends, parce que l'espoir, ça fait pas non plus foutre de ma gueule trop longtemps. Tu peux appeler la Norvège aux armes? Maintenant, ils viendraient bien rejoindre. Ouais. C'est un peu tard. Allez, vous, vous venez là, hop. Ici, on est en train de les écraser, c'est parfait. Ici, on désiège. Il n'y a plus du tout de flotte dans le coin. On les a tellement fatigués lors de la dernière guerre, peut-être. C'est marrant, ils t'ont donné des petits. Les colonies, ils t'ont donné des petits trucs normands au milieu des colonies. Là. Ah oui. Pourquoi pas? Comment ça se passe là? Vous gérez? Ouais, vous gérez. Y avait pas une bataille probablement à faire ici là? Qu'est-ce qu'on fait là? On les a écrasés? Je ne les vois plus en tout cas. Surprenant. Ou alors ils ont eu le temps de s'évacuer par là, ça se trouve. Non, à mon avis, ils m'ont évité et ils sont quelque part là en train de se déplacer. Là. Allez, on leur a montré là. Ça va pas se foutre trop de ma gueule non plus. Voilà, on a refait le siège dans l'autre sens. Bon, ici, faut qu'on se scinde. Par contre, la flotte avec les bêtes. Et c'est parti où là? Populariste britannique ont pris le contrôle de Higveld. C'est où ça? Ah, putain, ils sont là aussi. Oh. Quel enfer. Ah, il y a de l'espagnol ici. Chopez-le! Bon, t'as pas tes bateaux dans le coin par hasard? C'est où le coin? Pour que je puisse traverser à Gibraltar. Ah, non. Mais si t'as pas, c'est pas grave. Je chope une flotte de 52 navires qui est sur le chemin et j'arrive. Ouais, ouais, mais c'est pas. Vous? Ils vont où? En courant nord équatorial, ouais, c'est là. 72 ans, mon dirigeant, il veut pas crever, hein. Pourquoi tu voudrais qu'il meure? Bon, faudra bien. Ah, oh, mais il y a aussi une rébellion ici. Ah non, c'est pas chez moi ça. C'est une couleur vaguement comme chez moi, mais c'est pas chez moi. Parfait. Pas que je le veux, mais. Ah, il faut y aller, il faut que je me bouge le fion pour les rébellions parce que ça va. Ils vont finir par réussir là. Ouais, ouais, ça commence à être tendu. Ok, ici on va s'occuper d'eux. On va micro-gérer ça vite fait. Alors là, ça flotte. Elle fait quoi? Elle rentre dans le. Ah oh, putain. Chopons ceux-là. Ici. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont là. On les chope. C'est bon là. Ça suffit d'essayer de m'esquiver. Commencez doucement à me faire chier aussi, vous. Ils sont en train d'essayer de dessiéger Vienne, je vais vite aller leur montrer que c'était une très très mauvaise idée de faire ça. La bataille ici c'est fait, on les a stackway, parfait. Dessiégez-moi ça. Et excuse-moi, je fais. Bon, tu me diras, j'ai pas besoin de micromanager ça. Vous, coupez en deux, toi te caler ici. Une bataille gagnée, c'est parfait. Et il a envoyé toutes ses troupes quand même au cas où, bah. Pourquoi pas, mais je crois pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, je m'étais replié, comment ça se passe? On va pouvoir aller taper sur des fanatiques. Ah bon. Ouh, oui, dis donc, ça a l'air d'avoir été la violence. Ouais, ouais. No problème. Je suis désolé, j'ai plus trop de réserve, du coup, j'y vais avec parcimonie, comme on dit. Ça commence à se compliquer chez moi aussi, je t'en rassure. J'en ai, mais. Voilà quoi. Ah ouais, il va falloir qu'on fasse une pause. J'arrive pour faire tomber Gibraltar. Bouge pas. Ah parce que mine de rien, ça remonte hein. 1300 hommes par mois, mais.
mais bon. Ok, il est retourné s'occuper de ça, on va aller le faire tomber. Ok, ça, on fait tomber aussi, ici, ici, vous ici. Ici, j'ai dit. Ensuite, on va se regrouper là, pour aller tomber sur des gens. Alors, les fanatiques catholiques, c'est fait. Par contre, on n'a plus que 14 000 hommes dans cette armée. Ici, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Attends, juste un truc. On embarque. On va débarquer ici. Allez hop, rapidement. Ensuite, là. Ah, des séparatistes Shawnee, non, ça c'est bon, c'est pas moi. Il va falloir qu'on aille s'occuper de ça aussi. On voit quand même 100 000 hommes là, le temps qu'on arrive. Je te laisse traverser Gibraltar, faudra que je récupère mes bateaux après, s'il te plaît. Ouais, attends, je suis vraiment concentré sur une bataille. Vas-y, vas-y, pas de soucis, ça on prend ça. Je vais peut-être perdre. Bah, mais pause hein, si t'as besoin. Non, non, c'est en cours, c'est en cours. Bah là, je peux plus rien faire, c'est les dés hein, maintenant. Allez, il va fuir, il va fuir, il va perdre. Mais oui, il a perdu. C'était chaud patate, mais il a perdu. Ok, bon. Vous. Plus sérieusement. Ici. Vous. À Londres. On a perdu un navire lourd ici. Tiens donc, intéressant. T'as pas des troupes? Non, t'as plus de troupes, tu m'as dit, toi, c'est la galère. Bah, il me reste 14 000 hommes sur le continent, quoi. Ah oui, effectivement, ça se complique. Après, je peux les envoyer quelque part. Je peux aussi claquer du professionnalisme, si il y a besoin. Si c'est la merde, donc il veut pas lâcher. Non, non, mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est j'ai que... J'ai encore de la capacité militaire, quoi, s'il y a besoin. Non, 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 mais ce que je vais faire, c'est que je vais... ramener mes troupes d'Espagne... Et puis je vais faire la paix avec l'Espagne, déjà ça va calmer un petit peu. Ah bah ça va me libérer du monde ça, si tu fais ça, ça c'est clair. Y'a des trucs que t'aimerais bien ou pas? Avec l'Espagne, bah pas toujours des colonies, mais tout comme de toute façon c'est lui qui assiège. Tu peux toujours lui bouffer des trucs dans les colonies d'Amérique du Nord si jamais il veut, mais prends pour toi un peu aussi. Ouais, tu sais, moi. Sinon, tu prends sa thune. Ça marche aussi. Ouais, mais la thune. J'en ai un peu plus rien à foutre, pour dire vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Tu vas où, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Va donc t'occuper de ça, on va faire n'importe quoi. Voilà, on va déjà récupérer quelques trucs pour toi là. Ensuite. Ouais, je peux plus rien prendre en Espagne derrière. Fais gaffe qu'ils sont pas à ton nom hein, les sièges, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui t'ont donné. Hein. Non, non, c'est Flammes de Chobiti, les Vengeurs Bretons, les Flammes de Chobiti. Ok. Attends, faut que je fasse attention, c'est bien avec l'Espagne, voilà. J'ai un marchand qui fait rien, j'ai deux colons qui font rien, oh là là, ça va pas du tout. Hop. On n'a plus rien à coloniser là. Rien du tout. On dirait pas là-haut, non. Ça, non. Ok, on dirait que les colonies c'est terminé. Bon, bah, comme ça c'est vu. Pff, ça sert à rien ça. Sérieux. Hop là, c'est fait. Voilà, je défilais quelques trucs. J'ai repris deux trucs en Espagne. Nickel, merci, merci, merci. Ça commence un à peu se plus de rouge, un peu moins de petit à petit. C'est ça. Ouais, c'est sympa de reconstruire des petits trucs, d'enlever les taches quoi. Voilà, c'est ça, de rogner petit à petit. Exactement, j'ai récupéré les deux territoires que je voulais tout à l'heure là, comme ça, ça me fait mon truc. Et maintenant, ça me permet de ramener à peu près 150 000 hommes en Autriche. Ça va être bien utile. Ça devrait le calmer un peu, ouais. Hop là. Ici on a 7%, c'est un nœud terminal, on va collecter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce rouge là? Une flotte autrichienne, ok, qui se replie.
Parfait. Du coup, tu laisses tomber Gibraltar. Et j'allais dire, j'ai récupéré mes bateaux, mais non, j'ai plus de bataille à faire du coup. Repliez-vous, les gars. Hop, dans les colonies. Alors, on va se poser un endroit où on peut se mettre. 40 000, ça va bien exister. 35, 35, putain la vache, qu'est-ce que c'est, territoire de merde. Sérieux quoi. Oh là là, la misère. Bon bah, go, hein. Allez donc vous mettre là. Vous repliez ici du coup. Là, faut falloir qu'on s'en occupe assez vite. Ici, est-ce qu'on a réussi à débarquer? Absolument pas, on est en train de crever dans les bateaux. En avant, on débarque. Il nous reste combien de troupes? 28 000. Ça devrait suffire à les mater. On a plus de général par contre. Je dirais pas. Faut tomber un siège, parfait. Ah putain, merde, je peux pas en mettre, on est pas en territoire. Bon, on va dessiéger ça. Et après, on va y aller. La Pologne et la Valachie. Ok. Ici, du coup, on prend de l'attrition pour que dalle. Donc, les gars, vous embarquez. Et vous retournez en Normandie. C'est parti. Ah, il me saute dessus. Pause. Un commandant. Laurence Belford, t'es encore en vie? Viens de moi, Laurence Belford. Toi, pourquoi t'es disponible et tu fais rien? Tu me dis qu'il n'y a plus de pays outragé. Mmh. Tu permets que je sois dubitatif. Vraiment tu, permets bugué, que je ne te... tu permets que je ne te crois pas. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'il est vraiment buggé ce mec, tant pis. On attendra le rechargement. Alors ici on va pouvoir contourner avec 55 000 hommes. Autriche a repris le bail, je crois qu'il l'avait déjà, le défenseur de la foi. Ça va lui faire... Il est en train d'essayer de s'enfoncer dans les territoires, ça va lui faire tout drôle parce qu'il y en a 100 000 qui arrivent. Donc vas-y, continue. Hop. Comment ça se passe? Est-ce que mes 18 000 hommes peuvent être utiles d'une quelconque manière? Je suis pas convaincu. Oh bah. Est-ce qu'il reste des trucs à assiéger quelque part? Ça y est, mon dirigeant est mort. Ah. Et l'autre qui a 48 ans n'a pas d'héritier? Ah oui, d'accord, bah putain, il serait temps de se bouger, monsieur, à 48 ans quand même. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même, quoi. Hein, c'est vrai que 48 ans... Puis, pas très très optimal, le monsieur. Ah non, je suis d'accord. Bon, c'est un moment resté dans le coin. Hop. Pourquoi ici, j'ai une bataille qui va avoir lieu, là? Ah non, c'est pas mes super bateaux, pour moi. Je voulais les récupérer pour les envoyer là. Est-ce que j'en ai foutu? Ils sont là. Foncez ici. Attends, je vais juste essayer de les choper. Attends, ça a l'air d'être la guerre aussi dans le Saint-Empire. Trent et Constance qui se tapent dessus. Melsmain qui siège des trucs. Bon, soyons sérieux. Ah, mais on peut améliorer ça. Ah non, je peux pas le faire. C'est parce que j'ai un... un vassal qui peut le faire. Les marins, on prend. On va faire un peu de limite terrestre. Hein. Ça, c'est niveau 2. Ah, on peut pas améliorer un carrefour commercial en temps de guerre. Intéressant. Je ouais, le saurai comme ça. Voilà. Alors. Bon, par contre, GDD, va falloir que tu te bouges un moment, hein, parce qu'on va pas tout faire pour toi non plus à vie. N'est-ce pas? Allez, on sent que les colonies elles ont souffert. Elles sont en train de... Il y a plein de toutes petites unités à 1, fraîchement recrutées et tout. On sent qu'il y a un moment, il va falloir qu'elles se reposent un peu aussi. Hein.
Ah mais il est revenu là l'Autrichien, bon, par contre avec 7000 hommes tu te fous de moi là. Je veux bien que tu m'insultes mais quand même, pas trop abusé. Ici, on est prêt, il ne reste plus que 35000 hommes, ça suffira, on va aller s'occuper des particularistes. En avant. Colonie autosuffisante, ouais bah voilà, il n'y a plus rien à coloniser, hein, c'est la fin. C'est la fin, il reste des trucs en Afrique, mais franchement aller chercher, voilà quoi. Ça c'est à partir de la frise aussi. Là-haut, on va dessiéger. Il faut qu'on arrête l'épisode, il est beaucoup trop long, beaucoup trop long. Ouais, bah allez, on arrête. Allez, on s'arrête là. J'espère que cette petite guerre, mine de rien, pas si facile, hein, on voit qu'ils peuvent encore mordre, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.